Kamishi, bye. Bienvenue chez vous. Once upon a time, une fille qui s'appelait Fatou, elle venait du Mali. Un mardi soir, alors qu'elle rentrait du collège, elle a vu un sac de courses dans son immeuble, à côté des boîtes aux lettres. Le mercredi midi, la bourse de la compra est là encore. D'abord, elle s'est dit, je vais la porter à la police. Ensuite, elle s'est dit, je vais les montrer aux voisins, c'est dans l'immeuble. C'est donc à une vétine. Dans la sac Ngoubi, il y a de la farine, de l'acète, du azucar, du chocolat, du latte, du orez, du Coca-Cola, des potatoes, du café et des Maggi. Ah, des pâtes! Ça sent bon comme chez moi, dit Fatou. Ding dong. Noiri, oups, désolé, bonjour madame. Noiri, mademoiselle, je comprends, je suis malienne. C'est à vous les sacs de courses, je l'ai vu à côté de boîte aux lettres. Non, c'est pas à moi. Vous cuisinez quoi? Du poisson à tchèque, du sel avec du gombo, du manioc, des tomates, des œufs et des oignons. Atiki, atiki, ça sent bon. Bonne journée et bon appétit. Au revoir. Ça sent les beignets. Ding dong. Bonjour madame. Salam alaikum. C'est à vous les sacs des courses? Non, c'est pas moi. Vous cuisinez des beignets? Non, j'ai cuisiné des jalebi. En tout cas, ils sentaient bon. Salam, bon appétit. Salam. Ce sont les pâtes à la bolognaise. Ding dong. Ciao, tutto bene? Bene tu? Voulez quelque chose? Eh quoi? Eh, j'ai trouvé un sac de courses. C'est à vous? Sacchetto non è meglio. Ciao, bella. Buona giornata. E buon appetito. Grazie, molto gentile. Ciao, bella. Bonjour, messieurs. Et c'est à vous, ce sac de course. Je l'ai trouvé en bas de l'immeuble avant l'ascenseur. Dédé Creux, non, c'est pas à moi. Et ne t'inquiète pas. C'est un effet, je vais à une fête. Vous faites un gâteau? Oui, un gâteau tchétchène. Ça s'appelle Medavik. C'est à vous? Non, merci. Je suis pressée, mais ça allait bon. Au revoir. Bon appétit. Alignienne. Ça sent bon. Ça sent nana. La menthe. Ding dong. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est à vous les sacs de courses? Bonjour. Non, c'est pas à moi. C'est de la menthe? C'est une part du thé à taille. D'accord. Désolé pour les dérangements. Bon appétit. Au revoir. Ah, j'ai faim. J'espérais que le sac, c'est à eux. Ring dong. Bonjour, jeune fille. Bonjour, madame Martin. C'est à votre sac? Non, mais si tu ne trouves pas à qui c'est, tu peux m'en donner à une association. Tous voisins, ils vont donner la nourriture à des gens qui en ont besoin. Bonne idée. Je veux tous les voisins, c'est à personne. Elle est où l'association? Je vais te montrer. Ah non, je prends l'ascenseur. J'arrive pas à bien marcher. L'association était très contente d'avoir la nourriture. Depuis, Fatou connaît tous les voisins et elle aide souvent madame Martin à porter ses courses. La jeune fille veut faire une fête avec tous les voisins. Elle demande de l'aide à madame Martin pour organiser. Bienvenue. Merci, c'est une super idée.
d'organiser cette fête. J'ai bien mangé et des plats de tous les pays. Merci à vous d'avoir écouté l'histoire. Fin.